autres qui nous permettent de nous approcher à l'aise dans la présence de Dieu. Mais tu es important. Tu es important parce que Dieu vient parce que tu es là. S'il n'y avait que les caméras, que les chaises, que les speakers, le Seigneur ne viendrait pas. Il n'en a rien à faire de ça. D'ailleurs, on peut s'approcher de Dieu sans ça. On n'a pas besoin de micro, on n'a pas besoin de... On peut s'approcher. Mais il nous a donné ça pour nous approcher de lui avec plus d'aisance et de confort, parce qu'il est un Dieu bon. Alléluia. Et je vous salue, vous qui êtes connectés ce matin. Soyez bénis là où vous êtes et vous avez bien fait d'être là avec nous pour célébrer le Seigneur. Alors, avant le message, je vais juste rappeler c'est quoi le culte, comme j'avais dit la dernière fois. Le culte, c'est la rencontre avec Dieu. C'est ça un culte, c'est rencontrer Dieu. Qui a instauré le culte, comme ce matin, c'est le Seigneur lui-même. Il a donné à Moïse de faire le tabernacle. Et c'est le tabernacle, c'est l'image de la progression du culte. Dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait le parvis à l'extérieur, le lieu saint à l'intérieur et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un lieu assez petit où il y avait l'arche. Mais c'était sur l'arche que la présence de Dieu descendait. Et sur l'arche, il y avait du sang. Il y avait une petite coupole là qu'on appelait le propitiatoire. Et sur l'arche, on mettait le sang du sacrifice. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sacrifice du sang. C'est pour ça que Christ a dû faire couler son sang. Alléluia. Et sur l'arche, il y avait aussi deux anges qui recouvraient le sang. Ces deux anges-là représentent les deux anges. Vous savez, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève d'Éden, il a mis deux anges devant Éden pour que l'homme ne puisse plus rentrer dans la présence de Dieu. Parce que l'impureté ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et ces deux anges-là, ils symbolisaient ces deux anges-là, hein, qui protègent la présence. Donc, avant d'entrer dans la présence, il faut passer par le sang. C'est pour ça que Christ, ayant donné son sang à la croix, nous a donné l'accès libre, par la foi, à la présence de Dieu. Donc ça, c'était l'arche. Ça, c'est un lieu caché. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent entrer dedans. C'est pour ça que tu peux être dans la présence de Dieu et toi-même, tu as une telle rencontre avec le Seigneur que tu sais qu'il t'a touché, mais les gens qui t'observent ne comprennent rien de ce qui se passe. Parce que tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Tu es caché par les ailes des anges et tu es couvert par le sang. Mais avant l'arche, avant d'arriver à l'arche, il y a le lieu saint. L'arche, il est dans le lieu très saint, là où se trouve Dieu. Mais avant l'arche, il y a le lieu saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. C'est le rideau qui a été déchiré dans le temple quand Jésus-Christ a dit « Tout est accompli dès qu'il est mort », le rideau a été déchiré. C'est-à-dire, par sa mort, nous avons accès maintenant dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais avant ça, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, c'était un lieu sombre. Ici, je parle du culte. C'était un lieu sombre. Mais il y avait trois choses dans ce lieu saint. C'était comme une pièce comme ça. Il n'y avait aucune lumière extérieure. La vie chrétienne ne doit pas être éclairée par la révélation du monde, mais par la révélation du ciel. Alléluia. Alors, il y avait le lieu saint. Et dans ce lieu saint, quand le sacrificateur entrait, il voyait l'arche là-bas au fond, mais séparée par le rideau. Et sur le rideau, il y avait deux anges, d'ailleurs, qui étaient dessinés. Alors, dans le lieu saint, il y avait trois objets. Quand le sacrificateur il entre, sur sa gauche, il y avait le chandelier. C'était, vous voyez, des chandeliers, un grand chandelier, hein, avec des flammes. Et c'est ça qui éclairait. Et ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, la vie chrétienne, le culte, nous avons la révélation de Dieu dans le culte, comme maintenant, c'est par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'était sur la gauche. Sur la droite, il y avait une table qu'on appelait la table de pain de proposition avec 12 pains. Chaque pain représentait une tribu. 12 pains. Et ces pains-là, c'était des pains sans levain. C'est-à-dire une vie chrétienne sans péché. Parce que c'est le levain qui fait monter la pâte. C'est le péché qui amène la pourriture dans la vie de l'homme. Alléluia. Vous savez, le pain, quand il n'y a pas de levain dedans, il dure plus longtemps. C'était la table des pains de proposition. Ça, c'est l'image
de la vie chrétienne. La vie chrétienne éclairée par le Saint-Esprit. Et en face, maintenant, il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. C'était encore une table où il y avait des petits chandeliers là où on faisait brûler de l'encens. L'encens, c'est l'image des prières des saints, de l'adoration. Voilà le culte. Le culte, quand vous entrez, c'est dans la présence de Dieu où vous n'êtes plus influencé par le monde. Ce n'est plus le discernement du monde, la révélation du monde qui vous influence, mais c'est sous l'éclairage du Saint-Esprit que la vie chrétienne est illuminée. Et une fois illuminée, les enfants de Dieu élèvent leurs prières. C'est l'image de l'encens dans la parole de, dans la parole de Dieu. Ils élèvent l'adoration, la louange, comme on vient de faire. Et quand ça s'est fait, alors nous avons, le souverain sacrificateur avait une fois l'année accès au lieu très saint. Et juste avant le lieu saint, dans le parvis, il y avait deux objets. Le premier objet, c'était l'autel des holocaustes. Et puis la deuxième objet, c'était la cuve des reins. L'autel des holocaustes, c'était un grand autel sur lequel il y avait du feu, des braises, et sur lequel on éventrait le sacrifice. On éventrait l'offrande, parce qu'à l'époque, l'offrande, on l'amenait, c'était des animaux. Aujourd'hui, notre offrande, elle est spirituelle, c'est le fruit de nos lèvres. On tuait sur l'autel et le sang coulait. Bien-aimé, il n'y a pas de culte parfait sans l'aspersion du sang. Mais l'aspersion du sang parfaite a été faite en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Et puis la deuxième chose, quand vous avez offert l'offrande au Seigneur, le sacrificateur devait aller se purifier dans la cuve des reins. Les reins, c'est le métal qui symbolise dans le temple, dans le tabernacle, la justice. Or, notre justice, elle nous est donnée par, excusez-moi le terme, imputation. C'est-à-dire, Dieu a décidé que tout celui qui donnerait sa vie à Jésus-Christ, par la foi, serait juste. Et c'est ça, nous devons nous purifier. Donc, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie d'offrande de nos vies et de purification de nos vies. Et une fois que c'est fait, on peut entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous sommes éclairés par le Saint-Esprit et nous nous nourrissons de la parole de Dieu et les pains de proposition. Et pendant que nous sommes éclairés et que nous nourrissons de la parole de Dieu, nous offrons des parfums. Et pendant que je suis éclairé, je mange, j'écoute la parole de Dieu, je fais mon adoration, ma louange, le lieu très saint s'ouvre par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. J'entre dedans et là je rencontre Dieu. Alléluia. Et ça c'est le culte parfait. Et c'est ce que nous voulons faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça. Ça seulement, on vient à l'église chanter. Il vient quand l'autre vient. Il ne vient pas quand l'autre ne vient pas. Non, dans le lieu saint, tu n'es là que pour toi. Nous venons en groupe, mais individuellement. Alléluia. Dieu veut que nous venions en groupe, mais avec une rencontre individuelle, chacun dans son besoin réel. Ça, c'était une petite introduction, mais ce sont des choses fondamentales. C'est quand on connaît ces choses qu'on s'affermit dans la présence de Dieu et on comprend maintenant l'ordre divin. Vous savez, l'ordre divin va vous donner de vivre une vie de miracle permanente. L'ordre divin. Si vous mettez les choses dans l'ordre que Dieu veut, si vous faites les choses dans l'ordre que Dieu veut, Dieu fera les choses glorieuses dans votre vie chaque jour. Parce que vous êtes dans ce que Dieu veut. Il faut savoir ce que Dieu veut. Là, j'ai dit ce que Dieu veut pour le culte, mais pour toi, qu'est-ce qu'il veut? Pour moi, qu'est-ce qu'il veut? Bien-aimé, si tu es dans ce que Dieu veut, un tremblement de terre peut se faire. On peut tirer des coups de balle à gauche, à droite. Toi, tu vas passer à travers ça parce que tu es dans ce que Dieu veut. Alléluia. Bien-aimé, ce que je dis, ce sont des choses fondamentales. Ça fait partie des choses qu'un chrétien doit comprendre pour ne pas avoir une vie influencée par le monde ni par les autres. Moi, personnellement, je ne suis influencé par personne. J'ai appris à n'être influencé par personne, même pas par moi-même. Et comme nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Quand ça arrive, en tout cas, le Seigneur me dit non. Là, il faut corriger. Là, il faut revenir. N'aie pas honte d'avoir l'air ridicule parce que tu décides de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que ta vie en dépend. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour cette parole. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, Père.
toi qui nous donnes la possibilité d'être ensemble, de nous apprécier mutuellement et de consommer ta parole. Merci pour tous les frères et sœurs qui se sont déplacés ce matin, ceux qui sont connectés. Nous te les recommandons à ta grâce, Seigneur. Et nous prions que prochainement, les uns et les autres qui ne sont pas là soient là, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions recevoir de toi ce qui est précieux, ce qui est précieux pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais être bref. Je vais être bref et, excusez-moi, j'aurais dû allumer ça après. Comme j'ai dit, l'église ici s'appelle Camp Asaph. Asaph, c'était un chantre, il a écrit des psaumes, si vous voyez dans le livre des psaumes. Asaph a écrit beaucoup de psaumes. Et la vision, à part la vision globale de l'église qui consiste à édifier le corps du Christ et perfectionner les saints, c'est ça vraiment la mission de l'église. Édifier, c'est construire, bâtir les vies des chrétiens et perfectionner, c'est-à-dire nous rendre selon l'image du Christ, parce que Christ reviendra nous prendre. Mais nous avons quand même une optique particulière, c'est la consécration et la présence de Dieu. Ainsi, nous donnons beaucoup de temps dans ce qui est louange, adoration, prière, parce que nous devons nous consacrer au Seigneur. Et pas seulement lorsque nous sommes dans le temple ou dans cette salle, mais chaque jour de nos vies. Et j'aurai l'occasion de reparler encore. Mais je ferai un petit fascicule, si Dieu nous aide, hein, pour expliquer la vision des uns et des autres. Et je sais que toi qui es là, tu as quelque chose à apporter. Et nous sommes heureux d'être ensemble. Alors, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. On va lire une fois, après on pourra s'asseoir. On se met debout juste pour honorer Dieu. Hein, c'est juste pour honorer Dieu. Alors, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 38. Nous allons lire les versets 1 à 5, seulement 5 versets. Ésaïe 38, Seigneur, honore ta parole ce matin. Disons, Ésaïe 38, versets 1 à 5. Je peux commencer? Aide Gabriel à... T'as trouvé? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, très malade. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit ainsi, parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, dans de bonnes œuvres. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui, pleurer dans la présence de Dieu, c'est normal. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, verset 5, va, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Soyez bénis, je vous en prie, nous pouvons nous asseoir. Alors, qui est Ézéchias? Ézéchias est le roi du royaume de Juda. Je nous rappelle comment est né Israël. Israël est né à partir du moment où les fils de Jacob sont... Bon, Joseph est arrivé en Égypte, ensuite ils ont été délivrés par Moïse, et puis ils sont rentrés à Canaan, n'est-ce pas? Et là, la nation d'Israël est née. À un moment donné, la nation d'Israël, à cause du péché de Salomon, fils de David, à cause dont il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et ensuite il y a eu des Juifs, il y a eu des... Comment on appelle ça? Il y a eu Samuel, enfin bref, il y a toute l'histoire biblique. Et puis le peuple a demandé un roi. Il a dit non, nous voulons un roi comme les autres peuples. Et Samuel a dit non, mais écoutez, vous avez Dieu, Dieu est votre roi. Non, on veut un roi. Dieu a dit bon, donne-leur un roi. On leur a donné Saoul. Saoul, c'était le roi pas choisi, pas voulu de Dieu, mais que Dieu a choisi pour les hommes. Attention, Dieu ne voulait pas, mais Dieu leur a donné un roi. Et on a vu ce que Saoul a fait, il a péché. Ensuite, il a été remplacé par David.
David, ça a été le roi qui a eu des erreurs, mais qui avait le cœur de Dieu et qui à chaque fois revenait au Seigneur. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, mais il attend que tu t'approches de lui afin qu'il te perfectionne. Alléluia. Et David a eu Salomon. Mais Salomon n'a pas marché en honorant Dieu. À la fin, il a péché. Et comme il a péché, Dieu lui a dit, je vais diviser le royaume en deux. Et après Salomon, il y a eu Roboam, le fils de Salomon. Le royaume a été divisé en deux. Roboam est resté avec 10 tribus, 2 tribus, et les autres sont restés avec 10 tribus. Et puis à cause du péché, donc il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Et à cause du péché maintenant du royaume du nord, parce qu'ils avaient réinjecté les idoles en Israël, Dieu a envoyé les Assyriens. Les Assyriens qui sont venus raser et déporter tous les royaumes, tous les Israélites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des Juifs de la diaspora. Les premiers, ce sont ceux du royaume du nord. Le royaume du sud, c'était seulement Benjamin et Juda, les 2 tribus. Les autres, c'était Manassé, Aser, Ephraïm, tout ça, toutes ces tribus-là. Issachar, ils ont été déportés dans le monde. C'est à partir de ce moment-là que les Juifs ont été dispersés. La première fois. Mais le royaume du sud restait toujours ensemble. Alors Ézéchias, il fait partie des rois des royaumes du sud. N'est-ce pas? Et finalement, bon, ça c'est toute l'histoire d'Israël, mais je reviens à Ézéchias maintenant. Donc Ézéchias, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il vive ce que nous venons de lire ici? Au chapitre 38. Au chapitre 37, Israël est attaqué par un roi qui s'appelle Sanchérib. Il a une armée puissante, des milliers de soldats qui attaquent Israël, mais Ézéchias et le peuple se tournent vers Dieu. Ils invoquent l'Éternel, et l'Éternel les sauve. L'Éternel les sauve comment? Il utilise un ennemi de ceux qui viennent attaquer Israël pour aller attaquer son peuple. Le Seigneur a fait une diversion. Alléluia. Et Dieu, qui par la bouche d'un prophète, avait dit, Sanchérib ne vous fera rien, a accompli sa parole. Bien-aimé, si le Seigneur t'a dit quelque chose, ou si tu lis que dans sa parole, il a dit quelque chose, parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence, c'est bien d'entendre les prophètes, l'Éternel m'a dit, mais c'est mieux de lire et de comprendre la parole de Dieu. C'est mieux. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Il ne faut pas trop s'appuyer sur l'Éternel m'a dit. Aujourd'hui, il y a toute une race de chrétiens qui courent seulement après les serviteurs de Dieu. Tu as dit quoi? Mais lui-même ne sait pas ce que Dieu a dit pour lui. Comment veux-tu qu'il sache ce que Dieu a dit pour toi? Il faut retourner dans la parole de Dieu. Alors, Dieu a accompli sa parole. Et ils ont eu la délivrance. Mon frère, si tu sais que Dieu a dit, sache que ça s'accomplira. Comment? Je ne sais pas, tu ne sais pas. Eux ne savaient pas. Ils étaient entourés d'une armée, des milliers de soldats. Et tout à coup, lorsqu'ils ont été sur le point d'attaquer, Sanchérib, le roi qui attaquait, a eu une nouvelle. On lui a dit, tes ennemis sont dans ta ville en train de tout détruire. Il est parti. En insultant Israël. Il est parti, il a dit, Ézéchias, ne crois pas que je reviendrai. Quand il est parti, il s'est battu contre les autres, il a récupéré sa ville, mais, ce qu'il ne savait pas, une fois qu'il était dans son temple, dans le temple de leur Dieu, les fils de Sanchérib sont venus l'assassiner. Amen. Donc Dieu se sert des ennemis de tes ennemis pour combattre tes ennemis. Dieu se sert des ennemis de tes ennemis pour combattre tes ennemis. Alléluia. Alors, mais Ézéchias, roi d'Israël, et le peuple ont vu la gloire de Dieu. Mais juste après ça, le verset qui suit, on dit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » On peut se poser la question. Le Seigneur, tu viens de nous accorder une grande délivrance.
Mais comment se fait-il que samedi, j'ai vu ta gloire et lundi, je suis dans les problèmes, je suis dans les malheurs, je suis sous l'oppression, je suis dans des difficultés, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à faire ceci, l'administration, ça ne marche pas, ça traîne, des gens me cherchent des problèmes pour rien. Comment se fait-il que tu puisses passer de la gloire à l'humiliation du tic au tac? Alléluia. Alors, Ézéchias est là, il tombe très, très, très malade. Ça, c'est une chose. Peut-être qu'il s'est dit, bon, non, mais il y a quelques mois, on a chassé Sennacherib, je vais encore invoquer Dieu. Mais peut-être qu'il était en train de se préparer à invoquer Dieu, et il y a le prophète de Dieu qui vient. Il faut faire attention au prophète. Hein. Le Ésaïe, là, c'est le Ésaïe qui écrit. Au fait, Ésaïe, c'est un prophète qui était issu de la famille royale. C'est ainsi qu'il avait une entrée chez Ézéchias. Amen. Il avait une entrée chez Ézéchias. Il y a aussi le prophète Jérémie qui, lui, est le fils d'un sacrificateur. Et il y a le prophète... oui. Non. Jérémie, c'est le fils... Non. Jérémie, c'est un homme du peuple. Ézéchiel, c'est le fils d'un sacrificateur. Et Daniel, c'est l'enfant d'un noble. Oui, Dieu peut choisir ses serviteurs partout. C'est pour ça qu'entre nous, nous ne devons pas avoir une considération humaine. Ne considère pas ton frère selon ce que toi tu dis. Ah, comme il est habillé comme ça, c'est qu'il est comme ça. Comme il est grand comme ça, comme il a telle couleur de peau. Non, attention, l'Éternel regarde au cœur. Si Dieu l'a choisi, c'est que Dieu a trouvé que c'est la meilleure personne en cette saison pour faire ce qu'il fait. Et ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi de dénigrer le choix de Dieu, parce que le choix de Dieu est parfait. Alléluia. Alors Ézéchias, il voit Ésaïe venir. Ésaïe, c'était un prophète connu et reconnu. Et le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah! Toi, tu viens de me délivrer de Sennacherib et puis tu veux me dire, je vais mourir. Et puis il dit bien, ainsi parle l'Éternel. Et on sait que cet homme-là, quand il dit ainsi parle l'Éternel, c'est que ça vient de Dieu. Mais quelle est ta réaction quand une chose qui ne devait pas se passer s'est passée et tu n'as aucune issue. Même Dieu n'est pas avec toi. Quelle est ta réaction? Ainsi, la prédication, l'exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « Le cri d'Ézéchias ». Bien-aimé, il faut être capable de pousser un cri. Vous savez, il y a plusieurs sortes de cris. Hein? Il y a le cri de celui qui est sur le point de faire un accident. Il veut « Ah !» Il y a le cri de celui qui voit Ronaldo marquer un but. « Ah !» Il y a le cri de celui à qui on vient de voler un sac. Il crie « Ah !» Bon, voilà. Il y a le cri du bébé qui vient de naître. Mais il y a le cri d'Ézéchias. Le cri d'Ézéchias, c'est le cri qui vient du cœur. Tu sais que tu vas mourir. Dieu même t'a dit que tu vas partir. Donc, celui chez qui tu peux demander du secours te dit, moi je te dis que tu vas partir. Mais néanmoins, Ézéchias, qui savait qui était son Dieu, il a crié. Bien-aimé, dans les situations que tu passes, es-tu en train de murmurer? Es-tu en train de critiquer Dieu ou es-tu en train de crier à lui? Vous savez ce que fait le murmure? Le murmure, c'est une puissance que Satan utilise. C'est un outil que nous donnons à Satan pour pouvoir créer un nuage d'oppression sur nos vies. Tout le temps en train de murmurer. Murmurer, c'est en lingala, ou yima yima. Comment on dit dans ta langue, mon frère, murmurer? Vas-y. Murmurer. C'est quelle langue d'abord, dis-nous? Mayanzangi. Oui, mais on dit comment murmurer? C'est ça, c'est comme si tu murmures pas. Oui, mais c'est quelle langue? C'est Mundang. Ah, Mundang. Oui. Mundang. On dit comment? Mayanzangi. En Gambaye, c'est Djemta. Ah, Djemta, vous voyez Djemta en Gambaye. Kevin, murmurer. Dans quelle langue? Est-ce que toi, tu penses que tu ne parles pas la maternelle? Aucune. Tu es vraiment occidental. Toi, tu es perdu, toi. On doit te récupérer. Bambi, la lingua là. Bambi, l'équipe.
Oh non, ok. Comment tu dis murmurer? Murmurer, c'est quand tu dis ah, rien ne marche pour moi, toujours comme ça. Personne ne m'aime, tout ça. Ok, il réfléchit. Murmurer. Pas vraiment. Il n'y a pas un terme à peu près. Ok. Voilà. Voilà, ok, on a beaucoup de langues. Merci, Alexis. Ok, vous qui nous regardez, ne soyez pas troublés. Nous sommes en train de contextualiser le message. Donc, le murmure, c'est un outil que tu donnes à Satan. Satan cherche comment te détruire. Toi, tu prends. Non, si tu veux bien me détruire, tiens ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée un nuage d'oppression sur ta vie. L'oppression, c'est quoi? C'est lorsque les démons utilisent les circonstances pour appuyer sur ta vie, pour que tu sentes une lourdeur. Bien aimé, nous ne devons pas murmurer. Ézéchias n'a pas murmuré. Il a crié à Dieu. Et nous voyons au verset 2, il est écrit « Ézéchias tourna son visage. » Ézéchias tourna son visage. Alléluia. Ézéchias s'est tourné vers Dieu et il a prié. Es-tu prêt à rechercher le secours du Seigneur? Est-ce que ce matin tu es prêt à rechercher le secours du Seigneur? Alors jusqu'à quand devons-nous rechercher le secours du Seigneur? Mais jusqu'à ce que tu vois le résultat de ta prière. Et pour ça le Seigneur dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'en tout temps tu dois être en train de prier. Ça veut dire que pour la chose que tu pries, tu ne dois pas t'arrêter jusqu'à ce que tu vois le résultat. Mais souvent, on s'arrête juste quand on est sur le point d'avoir la chose. Sauf que c'est long. C'est long. Mais c'est long pour qui? C'est long par rapport à quoi? C'est long par rapport à quoi? Par rapport à tes critères? Par rapport aux critères de Dieu? On doit prier jusqu'à ce qu'on voit les résultats s'accomplir. Je me rappelle quand nous, on était en train de préparer le voyage avec la famille, avec les enfants. Durant 2 ans, on était en train de prier. Durant toute la pandémie, chaque soir, en prière familiale. Seigneur, ouvre les portes pour le Canada. Seigneur. Des fois, ça semblait comme quelque chose de n'importe quoi. Mais quand Dieu a ouvert la porte, tapis rouge. Vous voyez le festival de Cannes, là? Les gens passent comme ça, bien habillés. Nous, on est entrés tapis rouge. Je vous dis tapis rouge. On arrive à la douane, il y a une douanière qui nous dit, qui me dit, mais comment toi tu veux venir avec une famille avec autant de gens? mon frère, la douanière me dit, comment toi tu peux venir avec autant de monde ici du coup comme ça? Mais moi je connais mon Dieu. On arrive à l'intérieur là, on devait nous donner des papiers précis. On tombe sur une douanière qui était très gentille mais qui nous a dit, on ne peut pas vous donner ça. Moi, j'ai dit, on peut donner. Comment tu dis qu'on peut te donner? Je dis, c'est écrit dans la loi. Elle me dit, ok, va sur le site internet, trouve là où c'est écrit. Moi-même, j'avais écrit ça quelque part. La fatigue du voyage de troupe, je ne trouve plus. Elle m'a dit, bon, je vous fais le papier. J'ai dit, attendez, on a attendu 2-3 heures. Elle m'appelle, monsieur, c'est bon, je vous fais le papier. Non, nous, on doit avoir l'autre. Non, je vous fais ça, on doit avoir l'autre. Les enfants se rappellent, ils sont là. On a attendu, jusqu'à ce qu'elle finisse son service. Maintenant, quand la personne est venue la remplacer, elle raconte le problème à son collègue, et son collègue lui dit, mais oui, il a raison, c'est écrit là. Si on n'avait pas tenu, on aurait eu des documents, toujours légaux, mais on aurait eu de la difficulté pour vivre ici. Bien aimé, jusqu'à ce que Dieu fasse. Tu dois tenir. Amen. Tu dois tenir. Il le fera. Et Ézéchias a prié. Mais c'est Isaïe qui a dit. Hein? Ézéchias, non. Isaïe, là, il dit ainsi par l'Éternel, mais lui-même, il n'est pas l'Éternel. Alors, il a s'est tourné vers le mur. Et la Bible déclare ceci, regardez. Il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Amen. Contre le mur, je ne sais pas si c'est le mur du temple ou c'est quoi, mais il s'est mis en cachette. C'était le roi, mais il n'a pas fait des choses publiques. Il s'est mis à son côté. Il a cherché Dieu. Bien-aimé, il faut chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, tu vas raccourcir le temps des choses qui traînent.
Il faut chercher Dieu. Mais le grand problème, c'est que nous mettons tellement de temps à rechercher notre vie que nous oublions de chercher le Dieu qui donne la vie. Et ça, c'est dramatique. C'est comme un joueur de football. Il est bon. Mais si tu n'écoutes pas l'entraîneur, vous ne gagnerez pas le match. Juste une parenthèse. Il y a un joueur de football très connu en France, le plus jeune, là, qui court très vite. Je ne cite pas son nom parce que je ne vais pas avoir un procès. Il y a quelqu'un qui est passé sur Internet qui l'a insulté. J'ai dit, mais comment il peut insulter le joueur? Son nom commence par M. Vous connaissez? J'ai dit, je ne cite pas son nom. C'est toi qui auras le procès. On lui dit, mais pourquoi tu l'insultes? Il dit, depuis qu'il sent qu'il est le meilleur, il ne fait plus de passes. Et quand il ne fait plus de passes, on ne gagne plus les matchs. Vous comprenez? Ça, c'était pour illustrer. Au verset 2, il est écrit qu'il fit cette prière. Alors, au verset 3, ô Éternel, voilà la prière d'Ézéchias. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Il y a quatre choses ici qui sont importantes. Quatre mots dans ce que je viens de lire au verset 3. Premièrement, il y a marché devant sa face. Parce que là, c'est quoi? Comment accélérer ou bien comment ne pas faire rallonger le temps d'exaucement, le temps de grâce, le temps de faveur dans nos vies? Premièrement, Ézéchias rappelle à Dieu. Parce que Dieu a changé d'avis. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé d'avis? Mais c'est la prière d'Ézéchias. Premièrement, marcher devant sa face. Qu'est-ce que ça veut dire marcher devant sa face? Marcher devant sa face, c'est-à-dire être droit devant lui, hein? C'est-à-dire évoluer avec lui, grandir avec lui, l'accompagner, accompagner Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit t'accompagner dans ce que toi tu veux, c'est toi qui dois l'accompagner dans ce que lui veut. Alléluia. Premièrement, il faut marcher devant sa face, c'est-à-dire le rechercher, l'invoquer, élever sa voix, prier, méditer sa parole, jeûner, faire toutes ces choses. Deuxièmement, le mot important, c'est fidélité. Être fidèle, c'est être attaché à. Je suis fidèle. Je suis attaché à, je suis fidèle à ma doctrine, je suis fidèle à mon chef, je suis fidèle à mon épouse, je suis fidèle. Non, je reste attaché à, je ne me laisse pas détacher. Quand on parle d'infidélité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a enlevé sa fidélité, qui s'est détaché, c'est comme un train, vous enlevez un wagon pour aller attacher un autre wagon. C'est ça l'infidélité. Vous cherchez, vous entrez dans une autre union. Être fidèle, c'est rester dans l'union, rester dans l'alliance. Alléluia. Troisième chose, il parle intégrité du cœur. Un cœur intègre, c'est un cœur qui reste droit. L'intégrité, c'est la capacité à garder sa parole, garder son vœu. Quand quelqu'un est intègre, c'est-à-dire il garde son vœu. Par exemple, si je parle à quelqu'un, m'a dit, écoute, je te vois dans 2 semaines, je te fais ce que tu m'as demandé. Si je sais que c'est une personne intègre, je suis tranquille. Il va faire. Mais si je sais que la personne, elle dit oui, après non, après... Là, c'est un problème. Mais une personne intègre, elle reste droite dans son engagement. Non, comme j'ai dit, je ferai. Oh, pourquoi tu veux faire? Non, je suis intègre. Et la quatrième chose, il pleura. Ézéchias a pleuré, pas parce que c'était un homme faible, mais parce qu'il était ce qu'on appelle en français, il avait la contrition. La contrition, c'est quoi? C'est avoir une réelle compassion. Ça peut être des regrets ou une compassion envers quelque chose, envers soi-même. La contrition. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare. Ce n'est pas que Jésus avait péché ou bien qu'il était faible ou quoi que ce soit, mais son amour était tellement grand pour Lazare. Et voir la douleur que la mort apporte, en tout cas, ça lui a fait mal au cœur. Bien-aimé, Satan, vraiment, comme Jésus l'a dit, ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Tu dois t'assurer que l'ennemi n'est pas entré dans ta maison. Tu dois t'assurer. Parce que quand il vient, c'est pour tout casser. Et on sait que casser, on peut faire en 1 minute, mais reconstruire, ça peut prendre 10.
Comment peux-tu t'assurer que l'ennemi n'est pas entré dans ta maison? Premièrement, c'est en veillant par la prière. Bien-aimé, cette affaire de prière, prier chaque jour, ne fût-ce que 5 minutes, c'est tellement important. Et en famille, c'est tellement important. Quand on prie, on permet au ciel de s'engager dans nos vies. Moi, hier matin, j'étais en train de partir avec mon véhicule au garage. Et tout à coup, je roule la roue avant, ici sur Jacques Cartier, la roue avant gauche. Histoire vraie, hein? La roue avant gauche est partie. Hier matin, la roue, j'étais en vitesse. Et pourtant, on a fait des courses avec mon frère. Mais je ne lui ai pas dit. On a roulé, la roue avant gauche est partie. Pouf! Les boulons à gauche, à droite, la roue a commencé à rouler. Moi, qui avait perdu le contrôle du véhicule, je me suis mis sur le côté en faisant comme ça. La voiture a fait comme ça. Heureusement, c'est une 4 roues motrices. Donc, quand même, ça a tourné. Bloqué. La roue avant, devant, pas de roue. La voiture faisait comme ça. Le pneu là-bas, les boulons là-bas. Toutes les voitures se sont arrêtées. Hier matin, j'étais même sur le point de dire à mon frère, non, on ne sort plus. Alors là, les voitures sont arrêtées, il y a un couple mexicain ou espagnol, ils sont sortis, ils parlaient en espagnol. Ils ont commencé à prendre les boulons, un par un. La femme bloquait les voitures, le monsieur les boulons. Monsieur, ça va et tout, moi j'étais là aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'allais au garage. Je me suis retrouvé là, avec un pneu là-bas. Je suis parti chercher les pneus. Heureusement, ça n'a touché personne. Et ça n'a touché aucun véhicule. J'ai récupéré mon pneu, je l'ai mis là, j'ai appelé la dépanneuse, on est rentré. Et quand le dépanneur est venu, il m'a dit, mais c'était ça. Mauvais serrage de boulon. En changement de pneu, mauvais serrage de boulon. Et Dieu nous a gardés. Or, au jour, le samedi, là, hier, il était prévu qu'on aille à un mariage à Ottawa. Hier, imaginez-vous que nous soyons dans ces véhicules. Là, je roulais à du 30 km/h, parce que je ne roule jamais trop vite. Mais ça a fait des dégâts. Mais si on était à du 110 km/h sur l'autoroute, avec toute la famille, le pneu avant qui part. Mais c'est des tonneaux. C'est à la mort. Et qu'est-ce qui a fait qu'on ne parte pas à ces mariages-là? Mon épouse a eu un petit problème avec son œil. Elle dit, mais je ne peux pas aller au mariage avec mon œil comme ça, le bouton. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Les boutons. Bien aimé, je vous raconte ma vie. Donc c'est vrai ce que je vous dis là. J'ai même les photos. Alors, le gars qui est venu nous dépanner, il a remis la roue. Il a dit, non, il y a ça, 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 ça. Maintenant, c'est normal. Et l'après-midi, comme de rien n'était, on a fait nos courses et ce matin, on est là aussi. C'était une grande parenthèse, je ne sais même plus pourquoi j'ai dit ça. Mais ce qui est vrai, c'est que Ézéchias a été sincère devant Dieu. Il a pleuré. Dieu demande notre sincérité. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé l'idée pour Ézéchias? Parce que Ésaïe ne mentait pas, ainsi par l'Éternel. Ézéchias rappelle à Dieu, non, j'ai marché devant ta face. Je suis fidèle. Je suis intègre du cœur. Et tu sais que je suis sincère. Alléluia. Alors au verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Donc Ésaïe était déjà parti. Il avait donné les décrets divins. Bien-aimé, si quelqu'un t'a enterré, cette même personne-là, Dieu dira, rentre, va les déterrer. Parce que aucun homme n'est l'auteur de la vie. Seul l'auteur de la vie a le droit de prendre la vie. C'est pour ça que c'est très dangereux que quelqu'un vienne, tu sers le Seigneur, tu es dans la paix, tu es dans la tranquillité, et quelqu'un s'élève contre toi juste pour embrouiller ta vie. Mais cet homme ou cette femme se met en danger. Alléluia. Ésaïe, qui était déjà peut-être de l'autre côté du pont, Jacques Cartier, là-bas, Dieu lui dit, rentre! J'ai une autre parole pour lui. Et il est rentré, serviteur obéissant. Et au verset 5, voilà la parole qui est adressée à Ézéchias. Va et dis à Ézéchias,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé la prière? Il le répète encore, a changé son avis. Premièrement, c'est la prière d'Ézéchias. Deuxièmement, ce sont ses larmes. Et puis son attitude. Ce sont les trois choses fondamentales auxquelles nous devons faire attention. Bien-aimés, au fait, c'est quoi? Nous qui aimons le Seigneur, nous qui marchons avec le Seigneur, si nous n'avons pas du résultat dans notre vie terrestre, comme quoi nous marchons avec Dieu, premièrement, les gens vont se moquer de nous et nous-mêmes, nous allons nous décourager. Parce que Dieu promet sa bénédiction. Mais la bénédiction, il faut quand même la voir un jour. Ce n'est pas seulement Dieu va faire. Il faut aussi dire un jour, Dieu a fait. Alléluia. Comme nous, on ne savait pas. Et puis, avant que je récupère la famille, que je vienne avec elle ici, moi j'étais venu avant. Je ne savais même pas comment on allait financer le voyage. Mais Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert une porte et là, on a fait ce qu'on devait faire et on a financé le voyage. Donc Dieu sait ce qu'il faut faire. Bien-aimé, un jour, il faut que tu dises, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voir l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de ce que nous demandons au Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu dit que Ézéchias, ta prière m'a touché. Ézéchias, tes larmes m'ont touché, ta sincérité. Et puis ton attitude, tu ne t'es pas rebellé contre moi. C'est quel Seigneur ça? Moi, je l'ai servi. Et c'est ça qui me donne comme salaire. Toujours humble dans la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, faisons preuve d'humilité partout où nous sommes, parce que c'est une grâce que de pouvoir être vivant et de faire ce que nous faisons. Alléluia. Moi, personnellement, votre frère, je n'ai aucun problème à être sous autorité. Parce que j'ai appris une chose. Si tu n'arrives pas à être sous autorité, tu n'auras jamais d'autorité. Alléluia. Pour avoir de l'autorité, il faut apprendre à être sous autorité. Je donne un exemple. Toi, tu es sergent. On te dit d'aller arrêter un colonel. Tu ne peux pas arrêter. Sauf si l'ordre vient du général. Vous comprenez? Donc l'autorité vient de l'autorité. Dès que tu sors d'une autorité, tu n'as plus d'autorité. C'est pour ça qu'un soldat ou un militaire qui a mal fait, ou un policier, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses galons. Là, tu n'as plus d'autorité. Et ce qui donne la force à quelqu'un, tu peux voir quelqu'un petit comme ça, mais s'il a trois trucs de colonel, mon colonel! Les militaires sont terribles. Hein. Il vient à côté et puis il crie. Mon général! Pourquoi tu cries? Non, c'est ça, c'est l'autorité. Le général peut lui dire garde à vous! Il part, il va dormir, il va tout faire. Quand il vient, il repose et repos. L'autorité donne l'autorité. C'est pour ça, là où tu es, soit sous l'autorité de Dieu, soit sous l'autorité des responsables du travail, soit sous l'autorité de tes parents, soit sous l'autorité de... Il faut être sous autorité pour avoir de l'autorité. Alléluia. Bien-aimés, j'ai fini mon message, j'ai dit que j'ai écrit beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout dire. C'était pour nous encourager, c'est-à-dire, Dieu attend ton cri. Ton cri. Pour lui montrer que tu n'attends que lui. Tu n'espères que lui. Tu ne veux que lui. Tu ne crois qu'à lui. Ton cri. Mais un cri dans la prière, pas dans la révolte. Le cri d'Ézéchias, c'était la prière. Le Seigneur a vu, je vais changer. Il y a quelqu'un qui faisait ça régulièrement, c'était Moïse. Dieu dit, je vais faire ça. Il dit, non. Regarde, il y a ça. Pourquoi est-ce que Moïse pouvait faire ça? Parce qu'il était intègre. Mais le jour où il a péché, où il a frappé le rocher, alors qu'il devait parler au rocher, Dieu l'a pris. Alléluia. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie, mais pour cela, il faut un cri. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons prier maintenant, juste quelques minutes.
parce qu'on doit finir dans 10 minutes. Je vais vous inviter à être debout. Nous allons prier 2 minutes, mais je vais vous inviter à continuer cette prière à la maison. C'est-à-dire, Dieu veut quoi? Il veut que tu prennes le problème réel. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, ils ne font que dire des paroles. Dieu n'a pas besoin de grands discours. Il faut lui dire, par exemple, si c'est un problème physique, Seigneur, j'ai un ulcère au niveau du genou. Je veux que tu me guérisses. Parce que tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et qu'elle te parte de mettre ici, nous sommes guéris. Guéris-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'ai foi en ta parole. Je sais que tu agiras. C'est comme ça qu'on prie. On prie. Ce n'est pas la peine de faire de longues phrases inutiles. Dis-lui la réalité. Seigneur, voilà, mon cas, c'est ça. Voilà, ma réalité, c'est ça. Voilà, pour mes enfants, c'est ça. Voilà, pour ma vie, c'est ça. Et là, Dieu prend et il agit dans ton dossier. Alors, élevons la voix et crie au Seigneur. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton problème. Présente-lui ta réalité. Prions. Vous aussi qui êtes connectés, priez avec nous. Je vous en prie. Alléluia. Élevons la voix.